woman. Et bien bonjour à tous les amis, c'est moi Stachoy. Aujourd'hui on se retrouve dans du Pet Simulator X pour la mise à jour Halloween pour voir un petit peu ce qu'est cet événement parce que j'ai vu qu'il y avait une nouvelle monnaie, etc. Donc je suppose qu'on peut se TP, enfin après je peux peut-être me tromper. Halloween Event, est-ce qu'il faut que j'aille genre au spawn ou pas? Attends, on va aller voir ça. Parce que ça se trouve, aller au spawn et il y a un truc pour aller au truc d'Halloween. Est-ce que genre ce serait ici ou pas? Parce que je me dis, à la rigueur, il y a des ballons, une citrouille, enfin j'en sais rien du tout. Mais Trading Plaza, je sais pas si c'est ça. Attends, on va voir, mais j'ai pas l'impression. Enfin, Trading Plaza, c'est pour, moi une place, un endroit où tu échanges, donc ça m'étonnerait que ce soit ça. Mais en tout cas, je découvre avec vous. Dans tous les cas, je découvre avec vous, donc on va voir ça. Alors, du coup, c'est quoi? C'est. Ok, alors attends. Parce que là, du coup, on a toujours pas la nouvelle monnaie, on est bien d'accord. Ah attends, ils ont temporairement supprimé les cadeaux géants. Genre ça, c'est... Ok, c'est ce que j'ai complété. Là, c'est pour fusionner les pets. En fait, c'est tout rassemblé d'un coup. Tous les trucs sont rassemblés d'un coup, mais c'est délire. Et là, c'est pour les VIP. Bah écoute, on va revenir quand même au truc de base. Bon, au final, c'est moi qui bug. J'étais juste passé devant. Et en fait, c'est juste là, c'est le canon Halloween Event. Donc c'est parti, on y go. Est-ce qu'il faut acheter? Non, faut pas acheter, hein, c'est ça. Donc du coup, on a une nouvelle monnaie. What? Oh, elle est trop délire, cette zone. Oh la vache. Donc là, c'est pareil, l'index des pets. Là, c'est le prix des œufs, 25 000, 225, 120 et 1 800 000. Ça, ça vient bientôt. Ok, donc là, c'est encore un œuf, 666. Et par contre, moi, ce que je me pose comme question, c'est comment tu gagnes les bonbons, en fait? Parce que là, pour le coup, je vois pas trop. Il n'y a pas de... J'ai pas l'impression qu'il y a un endroit, en fait, pour gagner bonbons. Parce que là, si je vais au niveau téléporteur, j'ai découvert ce qu'il fallait au niveau de la Halloween Event. Genre, si je vais là, est-ce qu'il y a des trucs qui spawnent dans la map où je dois farmer pour les bonbons? Parce que là, pour l'instant, j'ai que de la monnaie normale. Attends, je vais quand même essayer, genre... Attends, si je fais ça, est-ce que je reçois des bonbons ou pas? Oh, j'ai reçu des bonbons, ok! Donc en fait, il faut vraiment qu'on farme normalement et après on peut aller dans la zone Halloween. Oh, délire! Bah écoute, vas-y, on va faire ça. Puis attends, j'en mets quelques-uns quand même sur ce coffre. Voilà, est-ce que... Oh, attends, j'ai encore un coffre. Et puis là, je vais continuer de farmer du coup. Oh, mais c'est stylé en vrai, moi je m'attendais à ce que ce soit un truc beaucoup plus dur, mais en vrai non! Bon, au final, ça passe. Franchement, ça va. Ah, attends. Parce que, faut en même temps que j'aille récupérer tout ça là-bas. J'espère que ça a rapporté pas mal de bonbons. Parce que si je peux découvrir tous les œufs aujourd'hui, ce serait vraiment méga giga cool. Surtout que là, j'ai l'impression qu'on rapporte quand même pas mal. Bon, j'essaie de farmer un max. Pour l'instant, je suis presque à 500 000. Donc, je suis plutôt contente. Parce que vraiment, ça va quand même assez vite. En même temps, ça me farme l'argent pour la nouvelle zone que j'ai toujours pas découverte. Donc, moi, j'ai envie de dire, ça me va. Je suis à combien niveau argent? J'en suis à. Attends, c'est les 24 millions, non? Non, c'est les 3 millions, pardon. C'est les 3 millions qui augmentent. Et là, il me faut 75 millions pour cette zone. Et je suis à 526 000, du coup, pour la zone des bonbons. Donc, attends, hop, moi, je fais les coffres. J'en profite. Il y en a, donc, autant saucer les récompenses. Ce qui est cool, c'est vraiment je complète pas mal de missions en même temps. Donc, Alors, attends, j'ai tout récupéré parce qu'à mon avis, je vais avoir pas mal. Oh là là, ça lag tellement qu'il y a de pièces. Le farm à gogo, la richesse. Et je vais peut-être avoir les 1 million. J'aimerais tellement les avoir. Vas-y, vas-y, les 900 000. Allez, allez, allez. Oh, attends, je suis bloquée. Bon, je pense qu'il va falloir que je farme un peu quand même pour les 1 million. Mais tu sais quoi, on va quand même aller dans la zone d'Halloween pour voir un petit peu les pets qu'on peut avoir. Parce que ça m'intrigue quand même un petit peu. Hein, donc, parce que je me dis, ça se trouve, ils sont plus forts que ceux que moi j'ai. Donc, ce serait beaucoup plus simple pour farm. Donc, du coup, on y go. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser aussi mes... comment dire? Mes boosts. Alors attends, je vais prendre le ultra lucky et le super lucky. Voilà, comme ça au moins on a les deux en même temps. Et on a plus de chances de dropper de meilleurs pets. Attends, je suis à 913 000, ok. Alors attends, on va commencer déjà par celui-ci juste pour découvrir les stats des pets de l'œuf le plus bas. Donc attends, on a reçu le basique, donc c'est celui à 42%. Il fait 28 millions, mais c'est énorme. Donc attends, si j'en ouvre un comme ça, déjà, qu'on regarde un petit peu...
On sera sûr du combien. Donc là déjà j'ai le basique, donc j'ai la vache, donc la première à 56%. Et on est sur du 78 millions. Donc ouais, c'est beaucoup plus fort que mes pets à moi. Et là du coup si je vais ici, on est sur du... Donc déjà j'ai droppé un rare, donc ça c'est méga giga cool. Et le rare il fait 250 millions. Non t'es pas sérieux. Oh la vache. Eh vas-y on va ouvrir celui-ci du coup hein. Vas-y vas-y vas-y. Oh délire. Oh mais c'est tellement craqué. Vas-y mais je suis grave contente. Donc là on a le basique, est-ce que je peux en ouvrir? Oui je peux en ouvrir un dernier. Vas-y 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 vas-y. Oh le basique. Bah écoute déjà ce que je vais faire oh équipe best on peut faire, oh trop cool. Et du coup on est sur quand même du 250, 243 et 161 millions quand même à le... Celui à 37% et 138 l'autre. Oh la vache. Bah écoute j'ai envie de dire autant qu'on aille farmer pour ah non c'est pas là où je joue MTP pour les bonbons hein. Je suis juste en train de penser une chose, j'ai pas récupéré le coffre et du coup j'aimerais bien aller récupérer bah, les récompenses parce que je pense que je pourrais potentiellement avoir un triple boost, enfin un triple damage ou je sais plus trop quoi, parce que du coup j'ai mon boost qui est terminé mais j'en ai plus que deux donc j'aimerais bien avoir plus. Et je sais plus combien ça va me donner de diamants donc 60 000 quand même hein. Du coup j'ai l'ultra lucky, le triple coins, le super lucky, est-ce que j'en ai un autre ou pas? Oh trop cool. Bon du coup les amis j'ai 1 188 000 et du coup bah maintenant un peu plus. Mais on va s'ouvrir un œuf parce que j'ai trop envie de voir les stats. Et comme j'ai encore mes boosts de chance autant que je les utilise. Pourquoi j'ai plein de mots qui apparaissent aujourd'hui, c'est trop bizarre. Mais ouais du coup j'ai trop envie de voir les stats. Donc c'est parti. Du coup il y a aussi l'œuf à 666 000. Mais j'ai d'abord dans un premier temps envie de découvrir celui-ci. Donc vas-y on y go. Hop. Allez allez de la chance, de la chance, de la chance. Ok donc là j'ai le basique. Donc c'est celui qui a 37%. Et il nous fait du 495 millions. Ah oui, quand même. Bon, il manque que dalle pour avoir les 666 000. Et je t'assure que j'ai trop hâte. Parce qu'à mon avis, s'il n'y a pas de golden de cet œuf, c'est tout simplement parce que si t'en fais un golden, ça doit être complètement craqué. Donc peut-être... Ou alors ça arrivera plus tard, cet œuf, j'en sais rien du tout. Mais à mon avis, si t'en ouvres plusieurs de ces pets, ça va être complètement pété. Donc vraiment, j'ai trop hâte de les avoir. Je suis à 649 000. Je vais récupérer du coup ce que j'avais pris du coffre. Ok, 657. Donc là, ça devrait suffire pour que j'aille ouvrir l'œuf. Attention. Yes, nickel. Donc c'est parti, on y go. On va dans l'Halloween Event et on va s'ouvrir du coup. Ah, on va s'ouvrir ce pet qui est là-haut. Ouais, parce qu'il n'y a pas de coming soon à côté, tu sais, d'emplacement d'œuf ni rien. Donc pour moi, c'est que si tu droppes un rare ou un truc du genre, et que tu en fais un golden, à mon avis, il est craqué. Donc c'est parti, on y go, on lourd. Attention, chance ou pas chance, j'en sais rien. Allez, 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 allez. Oh! Ah attends c'est de retour le... Ah mais oui mais je suis bête, c'est le rare du coup que j'avais déjà de là-bas. Mais c'est plutôt cool parce que du coup ça veut dire que j'en ai encore un autre. Donc vas-y on y go. Comme je risque de farmer pendant un petit bout de temps, ce que je vais faire c'est que on va aller dans la forêt enchantée. Parce que du coup j'ai pas enchanté mes nouveaux pets et que j'aimerais bien qu'il y en ait un au moins qui ait l'aimant pour récupérer l'argent. Ce serait tellement plus simple. Parce que c'est vrai que là du coup à force ça lag un peu. Donc déjà on va enchanter celui-ci. Hop. Allez 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 allez. De la chance, attention. Ok, donc plus de dégâts. Bon, allez, on va laisser. Non, attends, je vais pas racheter. On va enchanter du coup celui-ci. Ah, j'espère qu'il y en a un qui va le dropper, ce truc d'aimant. Du coup, qu'est-ce qu'elle a droppé? 50% plus de dégâts, ok, vas-y, hop. Oh, c'est bon, je l'ai droppé. Je l'ai enfin droppé, je suis grave contente. Du coup, alors attends, j'ai re-amélioré celui-ci. Du coup, il a deux compétences. Donc déjà, ceux qui sont avec ce pet font plus de dégâts et bougent plus rapidement. Donc du coup, lui, je l'ai laissé. Lui, par contre, c'est pareil, il en a deux, il récupère plus de diamants et les pets font plus de dégâts avec ce pet. Et du coup, bah lui qui fait l'aimant, mais on va quand même enchanter celui-ci, hein, parce que bah j'ai quand même envie d'avoir des boosts en plus. Alors du coup lui ouais non plus de dégâts c'est bon, on s'en fout un petit peu, on va changer un petit peu. Bah vas-y on va laisser et là ils sont tous enchantés. Bon du coup les amis j'ai pas mal farmé, j'ai mon boost qui va bientôt se terminer de triple des dégâts. Donc je récupère d'abord les coffres et comme ça au moins ça va faire toujours ça en plus. Et on va voir un petit peu la différence entre l'œuf le golden et celui à 666. Parce que je veux voir si les légendaires sont différents ou pas. Là pour l'instant c'est vrai que le rare c'est le même. Donc je me dis ça se trouve c'est moi qui ai pas fait gaffe
Et ça se trouve, c'est les mêmes légendaires. Donc, je veux juste voir parce que sinon, si c'est les mêmes, j'ouvre du coup directement le Golden. Et puis, si c'est des légendaires différents, bah écoutez, j'ouvre quand même celui à 666. Et puis voilà. C'est bon, mon boost, il est fini. Je vais juste récupérer les derniers coffres. Et puis après, on va direction l'Halloween Event. Allons voir cet œuf pour voir la différence. Déjà, j'ai commencé par le Golden pour voir un petit peu. Parce que là, pour moi, ce sont les mêmes légendaires. Ouais, c'est ça, ce sont les mêmes légendaires. Alors, du coup, si on regarde les légendaires de celui-ci. Parce que du coup, en fait, ce que je comprends pas, c'est que là, pour le coup, ce sont les mêmes pets, non? Ou alors, ce sont des légendaires qui sont un peu plus craqués? Parce que là, du coup, je sais pas vraiment quoi faire si j'ouvre cet œuf ou si je privilégie cet œuf. Parce que d'un côté, je me dis, les golden, ils sont complètement craqués. Bah, tu sais quoi? Non, vas-y, on va ouvrir celui à 1 million, tant pis. Et ce que je vais faire, c'est que je vais réutiliser les boosts, du coup, hop, hop. Et j'espère avoir de la chance. Vas-y, c'est parti, hop. Allez, 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 ah, rare, ah, rare. Yes! Oh, vas-y, je suis grave contente. Hop, hop. Allez, 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 un autre rare, ce serait cool. Ok, donc là, c'est le basique. Et le dernier œuf que je peux ouvrir. Allez, 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 allez. Ok, c'est bon, j'ai un autre rare. Donc, c'est quoi les stats? Ce sont... 769! What? Mais c'est énorme! Bon, et bien, écoutez, les amis, on va s'arrêter là sur cet épisode de Pet Simulator X. Je vais continuer de farmer hors caméra un maximum pour avoir des rainbows, etc., de CFT événements, parce que, franchement, le setup-là, il est grave, grave, grave rentable. Je m'attendais à ce que cet événement soit beaucoup plus compliqué, mais sincèrement, il est ultra simple, quand même. Il suffit juste de farmer, quand même, mais franchement, ça va. Mais comme les pets sont plus rentables, vraiment, j'ai trop, trop, trop envie de le farmer. Mais bon, en tout cas, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.